que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oui, eh bien, elle est ennuyeuse, ma sœur. Non, vraiment, moi qui l'a félicité hier, qui lui disais, enfin, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. C'est pas bien la peine de la complimenter. Oui, qui sait, madame, a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Bodong. Ma sœur, oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Et puis, si elle avait pu le faire, je le serais moins depuis deux jours. Bien, alors. Oh, et puis quand ça serait, ce ne serait pas encore une raison pour pas être deux poids, midi et quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Je ne sais pas, je ne connais pas la chose. Ah! Non! Ça vaut la peine! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai jamais été mariée, moi. La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Enfin, n'importe. Il me semble que si toqué dans une flaque, on peut bien, midi, regarder les coqs. Est-ce qu'ils sont pas debout à 4 heures du matin? Eh ben alors! C'est très juste! Oh! Marceline! Mais arrive donc, toi! De l'antipyrine, vite, un cachet! Un cachet? Pourquoi tu es malade? Moi? Oh non, moi, je suis... Bien heureuse! Non, c'est pour lui, il a la migraine! Bah qui, lui? Fernand! Il est revenu! Monsieur Badanga, non! Si! Oh, Fernand! Monsieur Badanga qui est revenu! Monsieur Badanga, pas possible! Ah, bien! J'espère, madame doit être contente! Ah, si je suis contente! Oh, vous le pensez! Tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir? Merci! Tu vois, mon pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours! Oh, non! Ah, oh, c'est affreux! Ah, oh, mais ne m'en parle pas! S'il n'en était pas revenu, le pauvre garçon! Il est si beau! N'est-ce pas, Firmin, vous avez remarqué? Quoi donc, madame? Mais comme il est beau, monsieur le Bois-d'Anguin! Ah, oui, oui, oui. Oh, je l'adore! Lucette! Oh, c'est lui! C'est lui qui m'appelle! Tu reconnais sa voix? Ah, mais si je la reconnais! Voilà, mon chéri! Oh, et on peut le voir? Oh, mais vous voyez? Ah, c'est Marceline qui vient te dire bonjour. Bonjour, Marceline! Bonjour, monsieur Fernand! Ça va bien, monsieur Fernand? C'est bon, Firmin! Mais pas mal, un peu de migraine seulement! Oh, ah, tant pis! Tant pis! Allons, apprête-toi parce que l'on va déjeuner! Et ensuite, oh, tiens, on sonne! Je vais ouvrir! Oh non, il me faut mourir d'inanition! C'est monsieur de Chenequette! Et monsieur vient déjeuner! Oui, Firmin! Oui, naturellement! Bonjour, Marceline! Bonjour! Et monsieur, c'est la nouvelle? Il est revenu. Qui? Monsieur Bois-d'Anguin? Non! Hier soir, parfaitement. Oh, c'est à se tordre! N'est-ce pas, monsieur? Mais je vais dire à madame que monsieur est là. Quel tas de girouettes! Madame! Oui, quoi? C'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah! Alors, bon, merci. Comment? Il est revenu. Et naturellement, ça a piqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Oh, ma pauvre Lucette! Quand elle cessera d'être une femme à tocade. Mon Dieu, son bois d'anguin est un charmant garçon, je n'y contredis pas. Mais enfin, ce n'est pas une situation pour elle. Il n'a plus le sou. Oh oui, je sais bien. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Moi, je ne sais pas, je suis jeune fille. C'est évident. Bon, eh bien, il en reste à quoi, alors? Qui? Ben... Ah, le général Rigois. Dame, il me paraît remis au calende grec. Oh, ce malin! Elle a la chance de rencontrer un homme colossalement riche, qui se consume d'amour pour elle. Un général? Oui, moi je sais bien qu'il vient d'un pays où tout le monde est général. Mais enfin, ce n'est pas une raison. Oh, et d'un galant. Avant-hier, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'était présenté à moi et m'a comblé de bonbons. Vous voyez donc bien? Oh, mais enfin, hier, elle était raisonnable. C'était définitivement fini avec Bois-d'Anguin. Elle avait consenti à répondre au millionnaire pour lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et alors, parce que ce joli cœur est revenu, quoi, ça va en rester là? Ma foi, ça m'en a tout l'air. Oh, c'est ridicule. Enfin, ça l'a bien. Oh, mais qu'est-ce qui vient là encore? Entrez, mademoiselle. Nini Galant! Moi-même! Ça va bien, tout le monde? Oh, mais pas mais mal! C'est mademoiselle, c'est la nouvelle! Non, quoi donc? Il est revenu! Qui? Monsieur de Bois-d'Anguin! Non, pas possible! Bonjour, Gontran! Et mes amis, vous savez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu! Oui, hein, crois-tu, ma chère? Ah, je suis bien contente pour toi! Et il est là? Mais oui! Attends, je vais la
désirez. Oh, pouvez-vous croire? Je suis bien content de vous revoir. Vous êtes bien aimable. Ça veut dire que madame s'est fait les cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment? Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Alors bon, ça va très bien, moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Et tu viens déjeuner? Non, mon petit, je suis justement venue pour te prévenir. Je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Oh bien, je vais dire à Firmin qu'il enlève votre couvert. Et qu'il mette les œufs. Oh oui. Oh oui, les œufs. Et pourquoi ne peux-tu pas? Parce que j'ai d'un affaire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle. Car moi aussi, j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous? Elle aussi? Moi-même, tout comme une héritière du marais. Oh, mes compliments. Et quel est le... bras? Mon amant, tiens. Bah, il est ton amant et il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche donc? Comment ce qu'il cherche? Je vous trouve impertinent. Quel amant donc? Mais je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la Courtille. Je deviens duchesse de la Courtille. Oh, rien que ça. C'est superbe. Ah, je suis bien contente pour toi. Ça te plaît, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Ferrin, tu ne vas pas encore être malade. Non, merci de lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. À propos du journal, as-tu vu le charmant article que l'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Ah non. Oh, excellent. Justement, j'ai pensé à t'apporter. Tiens, si tu veux lire, pas maintenant. Comment? Non, ça n'est pas le moment de lire les journaux maintenant, on va déjeuner. Bah, qu'est-ce qu'il a? C'est prêt, on va servir tout de suite. Vous voyez, on va servir. Positivement, il a quelque chose. Vous m'attendez, je vais achever de m'habiller. Ma foi, je réglerai la question de rupture après le déjeuner. Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Ah, lui, je n'y pensais plus. Vous mettrez son couvert, faites entrer. Comment? Tu as deux Fontanet à déjeuner? Oh, je te plains. Et pourquoi? Oh, il sent si mauvais. C'est vrai qu'il ne sent pas bien bon. Mais c'est un si brave garçon. Tiens, lui, au moins, il ne ferait pas le mal à la mouche. Oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui part. Oui, vous êtes bon au feu. Oh, ma chère, belle, comme je suis allée vous baiser la blanche. Justement, Nini nous parlait de vous. Oh, c'est bien aimable. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Comment? Mais figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Comment? Oh, bien heureusement que j'ai eu la bonne idée de la porter. Tenez, là. Je suis prêt. Allons bon, encore un. Donnez-moi ça. Encore? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Mais ça n'est pas le moment de lire les journaux maintenant. On va déjeuner. Mais c'est ennuyeux, puisqu'il y a un article sur moi. Eh bien, je le range. Non, mais tire-t-il ce journal, tire-t-il? Mais enfin, monsieur! Monsieur? Oh, n'y prêtez pas attention. Monsieur de Fontanet, un de mes amis, monsieur de Bois d'Anguien, mon ami. Ah! Enchanté, monsieur! Moi de même, monsieur! Et toutes mes félicitations, je suis moi-même un adorateur platonique de madame Lucette Grottier, dont la grâce dans votre talent! Mais qu'est-ce que vous avez? Je ne veux pas que ça sent mauvais par ici. Maintenant vous savez, ça se peut très bien. Parce que je ne sais pas comment ça se fait. L'homme dit ça se fait et ça ne sent jamais. Mais tais-toi donc, voyons, c'est lui. Je vous demande pardon, je ne savais pas. Quoi? Rien. Mais c'est qu'ils ne sont pas bons. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Ah, c'est pas trop tôt. Allons, ma chère amie, moi, je me sauve. Alors, sérieusement, tu ne peux pas? Non, sérieusement. Je n'insiste pas. J'espère que quand tu seras duchesse de la Courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Mais au contraire, ma chérie, il me semblera que je m'encanaille. Charmant. Oh, c'était pas ce que j'ai voulu dire. Eh bien, viens-t'en. Oh, voilà. Oh. Au revoir. Eh bien, mais la voilà duchesse de la Courtille. Ah bah, ça fera peut-être une petite dame de moins, ça n'en fera pas une grande dame de plus. Ah, ça c'est vrai. Allons déjeuner. Pardon. Passez. Eh bien, toi, tu ne viens pas? Si,
Seulement, j'ai un mot à te dire. Quoi donc? Ben, c'est pour la pension du petit, le trimestre était chaud. Ah, je te remettrai ce qu'il faut après le déjeuner. Oh, je suis désolée d'avoir à te demander. Je voudrais pouvoir subvenir, mais les affaires vont si mal. Mais c'est bon, seulement tâche de ne pas aller, comme la dernière fois, perdre la pension de ton fils aux courses. Oh, mais tu me reproches ça tout le temps. Ah. Oh, mais comprends donc que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah, il est joli, le tuyau. Mais absolument. C'est le propriétaire lui-même qui m'a dit, sous le sceau du secret, mon cheval est favori, mais je ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey, il doit le tirer. Eh bien. Eh bien, il ne l'a pas tiré, le cheval a gagné. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, ce n'est pas de ma faute si ce jockey est en voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de venir déjeuner. Mais qu'elle mange, mon Dieu, mais qu'elle mange. Oh, allons, viens, ayons égard à la gastralgie de ma sœur. Vite, voilà du monde, hein. C'est que madame est en train de déjeuner, là, tout le monde. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Enfin, madame, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Oh, madame Gauthier ne me connaît pas. Dites tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent, ou sur laquelle donne. Parfaitement, madame. Je vous demande pardon un instant. Tiens, c'est vrai. Le mariage de ma fille avec Monsieur Bois d'Anguin s'est annoncé. On m'avait bien dit. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Cousin, vous vous rappellerez? Oui, oui. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. Oui, oui. Si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah. Allons, bon, voilà qu'on sonne dans la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. Ha ha ha!
C'est le Figaro que madame lit. Pardon? Je dis c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Oh. Journal très bien fait. Il y a justement à la quatrième page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non? Pardon. Voulez-vous me taire? Voilà, au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. Tous les soirs, à l'Alcazar, grand succès pour mademoiselle Maya dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied. » Il m'a fait du pied de cochon truffé. Et madame, si vous venez voir par vous-même... Pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui a fait du pied, de cochon truffé. Comment? Ce doit être quelque stupidité. Oh, ça non. Oh. Non, c'est de moi. Hein? Oh, pardon, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien... Je n'ai pas encore pu voir madame, on avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Ah, matin, il est beau. Vous en recevez beaucoup comme ça? Nous en recevons beaucoup. Oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Non. Il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Si vous aviez annoncé, maître d'hôtel. C'est juste, madame. Ah oui, vous vous rappellerez mon nom. Oui, monsieur Bassin. Non, Bouzin. Bouzin, parfaitement. Vous donnez ma carte. C'est inutile, je me souviendrai, monsieur Bouzin. Pour la chanson, moi, je pique des épaves. Parfaitement. Parce que justement, avec ma carte... Oh, il va écorcher mon nom, c'est évident. Le beau bouquet tout de même. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Mmh. Tout le monde me disait, pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça. Oh, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident. Je ne demande pas, madame,
de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Est-ce que ce n'est pas vous qui chantez l'Eldorado? C'est moi qui suis les drapeaux de la France! Oh non, non, monsieur, je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ah, c'est pas ça, là. Eh bien, vous avez dit à madame Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rends. Ah. Voilà, monsieur. C'est très bien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, on entreprend un travail pour madame. Venez donc en causer avec madame. Or. Avec vous? Oui, vous comprenez, je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Je vous remercie bien, mais je travaille toujours sans collaborateur. Je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile et a du talent, au moins, elle. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide, ma chanson. Et moi qui... Non. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour moi, avez-vous... Oui, madame, et c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde, elle ne peut causer d'affaires en ce moment. Oh, que c'est ennuyeux. Madame ne peut pas passer un peu plus tard. Il faudra bien, c'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Vous direz à madame que je repasserai dans une heure. Oui, madame. Par ici, madame. Merci, monsieur. Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Ah, enfin. C'est bon, il n'y avait pas grand-chose. Je suis heureux, dit, on dirait que tu as l'air triste. Moi, mais pas du tout. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Je t'adore. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour lui faire un message. Oh, le super bouquet! Où ça? Où ça? Mais là, là! Oh, oh, il est superbe. Superbe. Tiens, qui est-ce qui a envoyé ça? Attends, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Comment? Mais c'est ce Bouzin! Oh, je suis vraiment touchée. Non, mais ce pauvre garçon, quand je pense que je lui ai fait rendre sa chanson d'une façon si... Sans façon! Vous savez, c'est l'auteur de Moi, je pique les épingles, dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Ah oui, oui! Mais si c'est vrai, pourquoi est-elle si stupide, sa chanson? Si seulement il y avait quelque chose à en faire! Il embaume! Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a donc dedans? Un écrin! Un écrin? Mais oui! Oh! Oh, c'est trop! Oh non, c'est trop! Regardez-moi ça, regardez-moi ça! Une bague rubis et diamant! Oh, quelle belle! Et de chez Béchampès encore! Oh là 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 là! Oh, je suis vraiment de plus en plus confuse! Et c'est ce cousin qui envoie ça! Ah, ça, il est non riche! Oh, mais dame, Alphonse, on ne s'en serait jamais douté! Il est toujours mis, on lui donnerait 2 sous! Bah, c'est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils! Ah, je dirais même plus riche et amoureux! Vous croyez? Tiens, tiens, mais si on pouvait lancer ce cousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite! Oh, mais voyons, c'est cette chanson! Si seulement on pouvait en faire quelque chose avec un collaborateur, par exemple, qui la referait! Un tripatouilleur! Oui, non, mais attendez donc, j'ai peut-être une idée, moi! Et pourquoi n'offrait-il pas une chanson politique? Oh, une chanson satirique, par exemple? Il a raison! En quoi? Mais attends, nous allons le savoir! Oh, et comme c'est simple! Au lieu de « moi je pique des épingles », il met « moi je touche des épingles ». Et voilà, ça y est, ça devient d'actualité! Mais oui! Vous savez, cet homme qui pique des épingles dans les plots des femmes qui distinguent, c'est pas drôle, c'est pas propre. Tandis qu'avec un député, par exemple, oh, il touche des épingles, et bien au moins... Ben c'est propre. Ah! Excellente idée, il faudra que je lui soumette ça. Oh, des idées, c'est pas ça qui me manque, hein. C'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Ah, parbleu, comme pour beaucoup de gens. Mais pourtant, une fois, j'ai essayé de faire une chanson, une espèce de si. Ah. Oh, je me souviens, c'était intitulé « Les futs ». Quel drôle de manière, les gens à odeur de vous parler toujours comme ça dans le nez. Et vous en vint tout à bout? Oh mon Dieu, comme je pue! Oh oui! Hein? Tombe. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de... Non, non, c'est Fernand, il n'est pas sérieux. Ah non, mais c'est ça, c'est lui qui n'est pas... Non, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire, hein? Hein, je n'y suis pas du tout. Non, ne cherchez pas, je vous le dis, ça ne vaut pas la peine. Parlons plutôt de choses plus sérieuses. On vous verra au concert ce soir? Ah non, ce soir, impossible, je vais dans le monde. Ah, du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, parce que je ne chante pas ce soir, c'est mon soir de congé.
Oh, ben ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Ça plaisit ma future belle-mère. Et elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec un monsieur. Oh, attendez, donc, on m'a dit le nom. Monsieur. C'est bon, ça ne fait rien, ça nous est égal. Non, mais si, si, laissez donc. Oh, c'est un nom dans Jean Duvaux. Mais non, impossible. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que tu as à t'agiter comme ça? Mais je ne suis pas agité. C'est bon, je sais ce que c'est. C'est comme les gens qui vous disent attendez, non, c'est un nom qui commence par un cul. C'est ça. Duval. Ah non. Qu'est-ce que ça nous fait le nom de ces gens-là puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Allez, cherchez donc pas, hein. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Rien, madame, c'est cet homme, Bouzin, qui dit avoir oublié son parapluie. Bouzin? Oh, mais faites-le entrer. Oh. Mais entrez donc, monsieur Bouzin. Monsieur Bouzin, mes amis. Ah, monsieur Bouzin. Messieurs, madame, je vous demande pardon parce que je crois avoir oublié. Mais asseyez-vous, monsieur Bouzin. Asseyez-vous, monsieur Bouzin. Oh, messieurs, vraiment. Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide? Votre chanson? Oh, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi. Mais tout d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Hein? Allez, oh! Ne parlons pas de ça. Mais comment n'en parlons pas? Mais merci, c'est d'un galant de votre part. Ah, ça c'est vrai, c'est d'un galant. Et ma bague, vous avez vu ma bague, hein? Votre bague? Ah oui. Oh, elle est super. Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Ah, oui, en effet. Qu'est-ce que ça fait, sa bague? C'est le rubis surtout qui est admirable. Le rubis, la chose, la... Ah là là. Quand on pense que c'est si cher, ces machines-là. Oui, mais je suis l'apprécier. Ah, enfin, ça n'en a pas l'air. Une bague comme ça, ça vaut plus de 7000 francs. Oh, 7000 francs? Ah, mais oui, ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans. Eh bien, vous savez, quand il faut verser 7000 francs pour ça... Moi, je trouve ça de très mauvais goût, ce qu'il fait là. Lui, il est infect. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Et son imbécilité. Alors, pour en revenir à ma chanson. Eh bien voilà, votre chanson. Eh bien, ma chère amie, je vois que vous avez à travailler. Je vais vous laisser. Ah, comment vous partez? Attendez, je vous raccompagne. Oh, mais je vous en prie. Oh, du tout. Allez, viens avec moi, toi. Je te remettrai ce que tu sais pour le petit. Tu pourras l'envoyer immédiatement. Ah bon? Je vous demande pardon, monsieur Bouzin. Je suis à vous tout de suite. Eh bien, vous voulez que je vous dise, vous? Vous êtes amoureux de Lucette? Oui, oui, on n'a pas besoin de dissimuler. Vous êtes amoureux, eh bien, gardez donc du courage, c'est le moment. Allez-y. Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. À moi, je vous assure. La voici qui n'arrive pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez demain. C'est drôle, pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Ah, je vous demande pardon de vous avoir laissé, monsieur Bouzin. Mais comment donc? Je ne suis pas amoureux du tout. Alors, à présent, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Oui. Alors voilà, votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas deux mots, elle est charmante. Vous êtes trop aimable. Et cet autre qui avait compris qu'elle était stupide. Faut-il être bête? Mais enfin, vous savez comment on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Votre chanson, je le répète, elle est charmante, mais comment dirais-je, elle manque un peu de caractère. Oh, c'est pas grave.
il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? Oui. Et puis moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je lui reproche aussi, c'est la forme. Ah ben oui, évidemment, la forme, elle est défectueuse. Mais encore, la forme, ça, je passe par-dessus. Et puis enfin, ça manque un peu de trait. C'est un peu gris. Oui, voilà, tenez, c'est un peu vrai ce qu'il dit là. On voit bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit. Mais c'est la chanson d'un homme d'esprit qui l'aurait fait écrire par un autre. Voilà, voilà. C'est curieux. Enfin, à part ça, vous la trouvez bien. Ah, oh, très bien, très bien, très bien. Alors, voilà ce que nous allons faire. Avez-vous votre chanson sur vous? Oh non, je l'ai déposée chez moi. Oh, c'est dommage. Mais ça ne fait rien. Je demeure rue des Dames, c'est à deux pas, je peux courir. Oh, mais alors si ça ne vous dérange pas, comme ça nous pourrons travailler utilement. Mais comment? Bon, c'est bien le moins, vous savez tout ce que vous voudrez. J'ai le travail très facile. Ah oui? Oh, moi, mais je vous fais une chanson comme ça, du premier jet, bing. Ah vrai? Non, c'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça du premier coup. Je vais et je reviens. Votre parapluie. Oh, c'est juste, merci. Ah. Et bien maintenant, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du bousin. Il n'y a plus à tergiverser, mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. C'est ça, ce sera charmant. Dépêchez-vous. Elle, par exemple, si je sais comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes? Je t'adore. C'est pas comme ça, en tout cas. Que je suis heureuse de te revoir là-haut. Je n'en crois pas mes yeux. Mais quel vilain, hein? Si tu savais le chagrin que tu m'as fait, hein? Oh, j'ai cru que c'était fini. Oh, fini! Enfin, je te rais. Dis que je te rais. Tu me rats! Oh! Et que ça ne finira jamais! Jamais! Oh mon homme! Ah, c'est pas ça du tout! Je suis mal embarqué! Vois-tu, voilà comme je suis bien! Ah bien, pas moi par exemple! Et moi je voudrais rester comme ça pendant 20 ans! Ah, 20 ans, tu sais, c'est long! Oh! Tu me dirais ma Lulu! Je te dirais mon nanan! Et la vie s'écoulerait! Ah, je serais récréatif! Mais malheureusement, ça n'est pas possible! Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, chérie. Ça pistique, c'est mal engagé. Allez, viens m'habiller. Oh non, pas encore. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Rien. Ah, mais si, tu as l'air triste. Eh bien oui, si tu veux le savoir. J'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais quelle situation? La nôtre, Aïton. Et puisqu'aussi bien il faut en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre bon courage à demain tout de suite. Lucette, il faut que nous quittions. Quoi? Il le faut! Aïdon! Mon Dieu! Tu te maries! Moi! Oh, viens! À propos de quoi? Eh bien, c'est à cause de ma position de fortune actuelle. Ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Ah, c'est ça! Oh, mais que tu es bête! Hein? Est-ce que je ne suis pas bien heureuse comme ça? Mais ma dignité! Oh, mais laisse donc ta dignité où elle est. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Non, ça va bien, ça va très bien. Oh, vois-tu, rien qu'à cette pensée que tu pourrais te marier. Jure-moi que tu ne te marieras jamais. Moi? Ah, bien! Oh, merci. D'ailleurs, si ça t'arrivait, je sais bien ce que je ferais. Quoi? Ah non, ça ne serait pas long. Une bonne balle dans la tête. À qui? À moi, donc. Tant mieux. Non, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur. Si jamais j'apprenais, ou si je lisais dans un journal que... Sapristi, au Figaro! Oh, mais parce qu'il n'en est pas question, je suis folle. Pourquoi me mettre dans cet état? Ouf. Pousse donc, il en pousse! Tu m'aimes? Je t'adore. Ah, chérie,
pas. Jamais, jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça, jamais. Dis donc, je fais recommander la lettre. As-tu un timbre de 40 centimes? Un timbre? Ah oui, par là. Attends. Tiens, voilà 40 centimes. Ah, mais j'en veux pas de tes 40 centimes. Bah, moi non plus. Il n'y a pas de raison que tu me fasses cadeau de 8 sous. Oh, c'est drôle, ça. D'accord. C'est curieux, tenez. Voilà de ces petites choses que les femmes ne sentent pas. Oui. Bah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté. Mon cher, c'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré. Ah, mon Dieu, quoi donc? Tenez, vous seul pouvez me tirer de là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. À vous, je peux bien me dire, vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. Mais qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon cher, je me marie. Vous? Oui, moi, elle comptera ce signe ce soir. Oh, sapristi de sapristi! Mais au fond, cette rupture, c'est dans son intérêt. Mais comment? Oh, mais c'est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle aurait une occasion super. Ben, dites-lui que diable, parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. Oh, ouch. Le général Inigo. Lui! Faites-le entrer. Quand nous serons partis. Venez, passons par là. Et pourquoi? Parce que nous gênons, nous sommes de trop. Est-ce que ce serait... Parfaitement, l'occasion, là. Le fichtre filon. Qu'est-ce qu'il y a, Sidney Firmin? Le général Yérigo, mademoiselle. Le général Fitz, faites-le entrer. Bon, y aller prévenir ma sœur. Oh, le général, monsieur veut entrer. Voilà, il entre. Général. Ah, madame Lasson, je suis bien la vôtre. Garçon, parlez les pieds. Ah, c'est moi. Naturellement, mais c'est vous, ce n'est pas moi. Quel bruto est ce homme. Allez dire à madame la maîtresse. Oui, monsieur. Un général Auvergnat, ça. Voilà, madame. Elle. Madame, c'est Yul. Il est la poubelle de ma vie. Pardon, monsieur. Général Yérigois, Lucette. Soi-même. Ah, général, je vous demande pardon, monsieur. Rien du tout, on y était prêt. Je suis ravie de faire votre connaissance, général. Non, mais les ravis, il est pour moi, madame. Attention. Général, les bouquettes. Permettez-moi. Quelques fleurs, comptez que je vous prie, que je vous offre. Général. Et il y a les pensées aussi à la sort. Attention. Général. Pour moi. Général, vraiment. Il est plus sportif que l'autre, mais il est plus portatif. Attention, allez attendre à ma disposition dans le vestibule. Bon. C'est très aimable à vous, le général. Justement, j'adore les fleurs. Quelle est la suite? Moi aussi, je les adore. Oui, mais il y a des sacs pour madame. En voit-on, Marceline, est-ce beau? C'est la sœur, bon, sous-jette, qu'il y ait la mette à vos pièces. Les sous-jette? Bueno, c'est la sœur des roses, qu'il y ait la mette aux pieds de la reine des roses. Ah. Ça vous monte. Très galant à vous, général. Il en fait ce qu'on peut. C'est égal, il ferait bien prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Moi? Laissez-nous, la sœur. Hein? Donnez-vous-en! Ah bon? Oh, c'est un sauvage! Je n'ai pas compris! Vos. Vos. Que je suis là, près de vous. Monique! Oh, mais asseyez-vous, général, je vous en prie. Je ne bouge pas. Vous ne pouvez pas. Je ne bouge pas. Je ne suis trop émoute. Ah, quand j'ai reçu vous cette lettre de vous, cette lettre où ce qu'il m'accorde la grâce d'un homme, d'un homme, d'un autre vous, per tous les deux. Mais qu'avez-vous, général? Vous semblez très ému. Mais je le suis. Pourquoi? Pourquoi je vous aime, Lucette? Et que je vois que je suis là. Tous les deux. Unique. Ah, Lucette! Non! Là-haut, général, vous abordez un terrain d'eau. Je n'ai pas peur de marcher.
mon pays, je l'étais ministre de la guerre. Général. Vous. Soi-même. Mais quel honneur, général, un ministre de la guerre. Est-ce hein? Quoi est-ce? Est-ce, ministre, je ne sais pas. Ah bon, qu'est-ce que vous êtes donc? Je suis condamné à mort. Vous? Eh oui, tout ça pour que je suis venu en France, c'est pour acheter par ma gouvernement deux cuirasses, trois cuirasses et cinq torpilles. Eh bien... Bueno, yo les ai perdus pas carattes. Vous les avez perdus? Comment avez-vous fait? Je l'ai pas eu de la chance, voilà. Au pas carattes, c'est toujours la même. Ah. Quand il y a le 8, c'est le 9. Ah. Et ça, je l'ai perdu pour coucher là. Ah, ça c'est très mal, général. Passe, rien pour moi, rien. Il y toujours assez beaucoup pour qu'il puisse le mettre à la disposition de Just. À ma disposition? Toutes! Mais à quel titre? À des titres. Qu'il puisse vous aimer. Pour que... pour qu'il vous aime, vous êtes! Mon corps, il est trop petit pour contenir tout ce qu'il a de l'amour. Ah. Par les charmes qu'il est à vous, les charmes, vous m'avez. Oh, vous m'avez. Mais vous m'avez. Pardon, un moment. Oh, eh bien, mais où va-t-il? Antonio! Général! Vous avez dit, c'est Brigoire, en français. Nous sommes choqués, général. Ah, si, gracias, Antonio, gracias. Comment reste choqué? On sent tout ce qu'il est à moi, il est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'à mon dollar, le dernier, le tout petit dollar, le dernier, il est à vous. Jusqu'à la misère que je l'aimerai encore, pour qu'il viendrait de vous. La misère, général, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, pardon. Je le sais. Je n'ai pas toujours été riche. Avant que je ne sois entré dans l'armée comme général, je n'avais pas de l'argent. Quand il était un professeur modique et que je le devais pour vivre, aller dans les familles, ciao. Je lui donnais des leçons de français. De français? Mais vous le parliez donc? Je vais vous dire! Dans mon pays, il ne parlait bien. Et si, je ne sais pas pourquoi, il ne parlait mal. C'est donc ça, je vous en prie, asseyez-vous. Je ne puisse pas. Devant vous, je ne puisse être assis. Cahiers-nous! Vous êtes une divinité que l'on adore. Une divinité que l'on s'agenouille là-devant. Une sainte que l'on aime plus que toi. Où est votre chambre? Hein? Je dis où est votre chambre? Oh! Général, mais en voilà une question! C'est la mort qui parle de ma bouche pour lui! C'est la vie, il voudrait vivre! Oh, la chambre! Il est la portée que l'on aime! Il est commun! Oh. Il est commun! Oh. Il est commun! Oh. Pardon, un moment! Oh! Antonio! Général! Comment se dit cette tabernacle en français? Tabernacle, général! Il est comme un tabernacle! Où est la religion de la déesse que l'on adore? Vous avez tout racheté par un compliment! Toujours! Oh, mais il y a des constats que vous portez à la tête une bague! Ah, celle-là! Oui, oh! Elle est jolie, vous trouvez? C'est une babiole! Babiole! Enfin, une bagatelle. Ah, oh, un bagatelle, oui. Si, si. Pardon, un moment. Voyons. Général. Que ça signifie un bagatelle en espagnol? Un bagatelle, si. Qu'est-ce que c'est qu'un bagatelle? Ah, non, je dis au général que c'est une bagatelle. Ah, une bagatelle. La señora dice a usted que es poca cosa. Ah, un bagatelle, si, si. Ah, bueno, gracias, amigo, gracias. Un bagatelle, si, si. J'y tiens surtout à cause du souvenir auquel elle me rattache. Oh, bien, vous êtes. Enfin, elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Et je... Ah, la bague, là. C'est moi qui l'ai envoyée ce matin dans une bouquette.
Vous ? Vraiment ? Que c'est vous, vous, c'est lui, hein, c'est vous, lui ! Bueno, 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 oh, bueno, bueno, je le dis ! Mais ça, c'est trop fort ! Non, mais c'est trop fort ! Alors quoi ? C'est ce bousin ! Il aurait eu l'audace de mettre à temps sa chanson, hein ! Ah, sa chanson ! Mais c'est trop fort, mais c'est un plomb qui t'a... Que vous avez ? Oh ! Rien, rien, c'est... Ah, bon. Bueno, il vient donc pas la vague de la mer ? La barrière ? Ah non, pas du tout, non, mais non, n'est-ce pas, non. J'ai cru que vous vouliez parler d'une autre, non. Celle-là, c'est... Je ne savais pas que c'était vous, j'avais à en remercier. Oh, rien d'autos, rien d'autos. C'est comme vous dites, c'est comme vous dites, c'est donc pas gâtil. Attention ! Général ! Et permettez-moi qu'il y ait la porte, la bracelette qu'il va avec. Général, oh, vous me comblez. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Que j'aime les militaires,
Que j'aime les militaires, que j'aime les militaires, que j'aime les militaires, que j'aime les militaires, que j'aime les militaires. Non ! Avec leur chapeau. Ça va être une chanteuse de bois. Beaucoup de rhume cette année. Bueno, dis-moi, monsieur Bodegain. Non, pardon, bois dans gain. Bueno, yo dis Bodegain. Oui, enfin. Vous voulez connaître, maman Sapotier ? Mesdames, oui. Vous pouvez me dire, alors, il paraît s'il a un amante. Ah, yo lo sé. Un mot à 10. Ah, bon. Et moi qui faisais la fête pour qu'il ne sache pas. Un homme qu'il aime. Très joli. Mon Dieu, vous savez, je suis bien mal placé. Ma, yo no vis pas de l'homme joli ici. Merci. Bueno. Quel est cet homme, puisque vous le connaissez ? Et après tout, puisqu'il y tient tant. Vous voulez absolument que je vous le dise ? Qui vous plaît ? Eh bien, c'est... Vous voudrez bien le savoir. Si, si. Pour gagner la tournée ! Je veux tuer ça, Presti ! Oh, oh, elle est bonne, elle est bonne. Bueno, c'est... Oui, 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 je... ah, tout à l'heure. Bueno, bueno. Me tuer, ça, Presti ! À ce soir. Eh bien, mes amis, moi, je chante dans le monde ce soir. Viendras-tu m'entendre ? Des invitations au plan. Ah non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Et vous, général ? Oh, si, si, avec grand plaisir. Ah, la bonne heure. J'ai justement un carton d'invitation. Je reviens. C'est heureux qu'il m'ait prévenu tout de même, moi qui allais lui dire... Bueno ! Comment elle s'appelle ? Qui elle ? L'homme. Et quel homme ? L'homme, il est joli. Bousin. Il s'appelle Bousin. Bousin. Bueno, Bousin. C'est la mode ! Il me fait froid dans le dos. Monsieur Bousin. Hein ? Lui, il fichtre. Reporte la chanson. Michel Comte n'est pas là. Non, oui, oui. Pardon, pardon, mais c'est Bousin, hein? Oui, monsieur, oui. Oui. C'est Bousin, là, c'est Bousin. Enchanté que je vous vois. Mais monsieur, croyez que la réciproque... Donnez-moi votre carte. Mais comment donc? Mais avec plaisir. Antonio! Général, mon Dieu! Voici le mien. Général Irigua. Soin! Ah, général. Voilà. S'il vous plaît, maintenant, que vous êtes libre demain matin? Demain. Oui, pourquoi? Pourquoi je vais vous amener à la télé? Pourquoi je vais votre tête? Antonio! Général! Pourquoi je vais vous touiller? Général! Ah, mon Dieu, qui faut qui il y a un paquet de tout paquet de vélo? Et quand il y a un obstacle, il ne saute pas par dessous, non, il ne saute pas par dessous! La chanson. Mais remportez-la, votre chanson, elle est stupide, votre chanson. Stupide. Elle est stupide, la chanson, stupide. Allez, sortez, monsieur, sortez. Ah, vous vous dites sortez, sortez. Allez, poussez, allez-vous-en. Non, mais on ne se moque pas du monde de cet homme-là. Hein. Merci, Lucette, qu'elle est pour moi. De quoi? Vous avez chassé cet homme. Ah, alors ça, je peux vous dire que si vous ne s'agit que de ça, vous ne le verrez jamais. Mais quand Mix aura fini de m'épingler, je ne sais pas.
pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointes qu'un vieux mur garni de tessons de bouteille. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Qu'est-ce que tu dis là, malheureux enfant? Tu en plains des comparaisons. Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai, pauvre petit. Oh, maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. Comment, elle n'y assistera pas? Non, moi qui aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. Oh, mais pas du tout, Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut rester pour soirée de nous. Soirée, dance, dance. Elle n'a pas saisi une syllabe. C'est pourtant pas difficile à comprendre ce que je lui dis. But what does that mean? Oh, explique-lui, pour moi j'y renonce. Mama wishes you to say if you worry cannot stay to our soirée. Ow. No, and I'm too grateful to have given the pleasure of getting acquainted with Miss Vivian's lover, but my mother is free, and I promise to spend the evening with her. C'est pas la peine de me dire tout ça, moi je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Oh, oui, oui, yes, yes, maman malade. Il. Oh, yeah. And I'm very anxious about her. At her age, the least illness can become serious. Oui, oui, yes, yes. Et l'on dit que le français est une langue difficile. Are you ready, miss? Ah! Now, it's ready. Oh, c'est pas malheureux. Thank you, miss. Oh, you are quite lovely, so. Oui, je suis chic. Oh, yes, yes, chic. Now, you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit, may go? Miss, demande si elle peut s'en aller. Oh, si je veux. Seulement, dis-lui de venir demain de bonne heure, parce que je ne pourrai pas te conduire, comme à l'habitude, à ton cours de chant chez Monsieur Capoule, et je la prierai de t'accompagner à ma place. Bon, yes, you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Capoule. Oh, yes. With pleasure. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, madame. Goodbye. Je commence à savoir quelques mots, moi. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur Poilanguin? Moi? Bon, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Mais il me semble que ça suffit. Oh, ça, pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Oh, pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois, on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. Oh, c'est une dame de compagnie homme. Voilà. Mais s'il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, la maternité, ça c'est gentil. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment, ce qu'il a à faire? Mais dame, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. Mais en quoi ne te plaît-il pas, M. Poilanguin? Bon nom. Oh, noblesse de l'Empire. Il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid. Alors? Mais ce n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Quand ça ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Oh bien oui, mais comme moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours l'homme que je ne peux pas épouser. Pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Eh bien, mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Non, un mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel, tiens. Oh. Je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons vu l'été dernier à Trouville. Ah, oh, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Oh, l'horreur! Un garçon qui a une réputation. Détestable. Oui, maman, c'est ça qui vous pose un homme. Un monsieur dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Les maîtresses? Mais Viviane, où as-tu appris à prononcer ces mots-là? Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV. Oh, les rois! Donnez-moi pareil exemple à des jeunes filles. Il paraît qu'il y en a même trois qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. Deux d'un coup de revolver. Et la
troisième, d'indigestion. Aussi ce que toutes les femmes couraient après lui à Trouville. Mais toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Tiens, c'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie. C'est comme en tout, ça. Pourquoi désire-t-on une chose? C'est parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour monsieur de Fresnel... S'il y avait beaucoup de demandes... Tu y es. Alors je me disais, voilà, comme j'aimerais un mari, parce que un mari comme ça, c'est flatteur, ça devient comme une espèce de légion d'honneur. Et l'on est doublement fier de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on est l'objet, et puis, parce que ça fait rager les autres. Mais c'est de la vanité, ça, ça n'est pas de l'amour. Et je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est quand on peut se dire... Ah, cet homme-là, vous auriez bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai, vous n'aurez pas. C'est pas autre chose, l'amour. Qu'est-ce que tu veux, tu me déconcertes. Non, vois-tu, maman, tu es encore trop jeune pour comprendre ça. Il faut croire. Eh bien, voilà justement ce que je reproche à monsieur de Bois d'Anguin. Il est très gentil, très bien, mais il ne fait pas sensation. Enfin, quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui. Mais est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Bah, ça, je n'en doute pas. Et puis, si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est simple. Elle me semble en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Bois d'Anguin, madame. Oui, faites-le entrer. Bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme. Bonjour, mon gendre. Toujours des fleurs, alors? Ah, pour vous, j'avais trop. Et puis, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé? Aujourd'hui, ça vous est permis? Mais comment donc? Tout le temps! Tout le temps! Oh, prenez garde, j'ai des épingles! Vous n'auriez pas dit que je m'en serais pas rendu compte. Voilà ce que c'est que de mettre les mains. Eh bien, encore une fois, là, sans les mains. Gourmand. Et la belle maman, alors, on n'embrasse pas? Ah ben, comment donc? Oh, si, si, ah, oui, bien. Et le plat de résistance après le dessert. Et moi, au moins, on peut mettre les mains. Je n'ai pas les pagues. À la bonne heure. Et maintenant, une bonne nouvelle pour vous, mon gendre. L'église ayant tous ses services retenus pour les jours que nous avons fixés, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Bien, j'en suis bien aise. Justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure, comme vous faites durer longtemps vos fiançailles. Ah bien, je suis bien content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons, pas le grand turc. C'est juste, j'ai des réflexions bêtes. Hein. Et puis, c'est ce que je disais à maman avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, vous avez déjà envisagé? Ouais, moi je trouve ça très chic d'être divorcée. Ah! J'aimerais encore mieux ça que d'être veuve. Tiens, moi aussi! D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir, Dieu merci! Fernand est un garçon sérieux, rangé. Ah oui! Ça! Il a sans doute eu, comme tous les jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse. Jamais! Comment ça? Pas la moindre petite bonne amie. Ah, mais je ne comprends pas ces choses-là. Souvent, je voyais des petits jeunes gens de mon âge courir à la demoiselle. Ça me passait, je leur demandais, mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes? Oh là 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 là. Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Oh. C'était ma mère. Oh, c'est bien ça. Je m'étais toujours dit, je vais me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse. Je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les rinçures de ma vie de garçon. Oh, quelle rinçure? De rinçures de quoi? Hein? Eh bien, c'est une expression, ça se dit comme ça, monter les rinçures de sa vie de garçon. Ça ne peut pas se préciser, mais ça fait image. Oui, il a raison. Et puis moi, au moins, en m'épousant, vous pouvez vous dire que c'est moralement comme si vous épousiez... Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Oui, tout c'est que ça part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc à la fin de sa vie d'héroïsme quand elle comparut au tribunal de cet affreux cochon. Fernand, ces expressions dans votre bouche. Mais comment vous voulez que je l'appelle une sale belle cochon? Je ne peux pas l'appeler Arthur. C'est juste. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore en dessous de ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame, il y a un monsieur d'arrivée. Déjà, qui ça? Monsieur de Fontanet. Fontanet, fistre le bonhomme de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, vous connaissez? Moi, mais pas du tout. Ah, oh, je croyais. Dites à monsieur de Fontanet de venir nous retrouver ici. Hein, comment ici? Pourquoi pas? Je ne fais point de cérémonie avec Fontanet. Mon Dieu, il est impossible de prévenir, pourvu que je n'ai pas les pieds dans le plat. Ah, bonjour, baronne, bonjour. Ah, la bonne surprise.
père, surtout pas d'un père. Vous le connaissez donc? Mais comment, si je connais, parbleu. Vous venez de nous dire. Eh bien, c'est parce que je ne savais pas que c'est de lui que vous me parliez. Oh, je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Non, mais comment? Mais pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Hein, ce matin? Hein, ah oui, oh, si peu, je n'avais pas faim, alors. Tiens, et où ça, avez-vous déjeuné? Eh bien, là-bas, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle-t-il donc déjà? Chez la Divette. L'idiot. Chez la Divette? Qu'est-ce que c'est, la Divette? Un restaurant. Le restaurant La Divette. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Dites donc, Fontanet, elle ne connaisse pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Oh, ni vous non plus. Il va dans un restaurant, il ne sait même pas comment il s'appelle. Oh, ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Mais taisez-vous donc, voyons, taisez-vous donc. Et où prenez-vous ce restaurant La Divette? Je ne le prends pas. Hein? Ah, où je le prends, le restaurant La Divette? Belle-maman me demande où je le prends. Eh bien oui, où le prenez-vous? J'entends bien. Quelle fichue idée on a eue de parler du restaurant La Divette. Eh bien? Eh bien, c'est un peu loin. Ça ne fait rien. Bon, eh bien, n'est-ce pas, vous voyez la place de l'Opéra? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes sur la place de l'Opéra, vous vous mettez comme ça, sur le refuge, de façon à voir l'Opéra devant vous, et l'avenue dans le dos, vous voyez ça? Alors, vous vous retournez vivement, de façon à voir l'Opéra dans le dos, et l'avenue en face. Mais pardon, il aurait été plus simple de commencer par l'avenue. Ça, c'est vrai, mais ça ne s'est pas trop. Oh, et puis du coup, je vous demande ça, mais au fond, ça m'est égal. Oh, eh bien, inutile alors, n'est-ce pas? Ouf! Mais qu'est-ce qu'il a donc? Bon, ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Non, mais qui ça, le fiancé de votre fille? Mais lui, monsieur Bonanguin. Hein? Comment c'est vous? L'amant de Lucette? Oh, mais je commence à comprendre maintenant le restaurant La Divette. Eh bien, hein, comme je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du vôtre, hein. Bien, l'animal, tiens. Ah, la patrouille, la patrouille. Ça, ma fille, ça, voilà une façon de parler. Voulez-vous me permettre
de vous présenter Monsieur de Chenevière, que je me suis permise d'amener. Mon plus vieil ami, un peu mon parent par alliance, ainsi que mon régisseur quand je vais en soirée. Enchanté, monsieur. Il n'y a pas de danger que ma soeur pense à me présenter, moi. Vous voyez, mademoiselle, vous trouvez tout ce qu'il vous faut ici. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour la circonstance. Oh, je suis désolée de vous avoir causé tant de mal. Du tout, j'ai tenu à en faire une loge digne d'une étoile comme vous. Oh, mais en effet. Oh, mais que vois-je? Un trône. Un trône? Mais vraiment, c'est trop. Mais où ça, un trône? Oh, ça? Non, c'est pas un trône. Mm-hmm. C'est le baldaquin de mon lit. J'ai fait enlever le lit et j'ai mis le fauteuil à la place. Voilà, je me disais aussi. Alors, c'est bien fait, c'est pas un trône. Vous trouverez là, derrière ce paravent, le nécessaire pour la toilette. Parfait. Et voici une armoire où vous pourrez ranger vos costumes. Elle est vide. Merci. Et sur cette table, un timbre électrique. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner. Oh. D'ailleurs, cette porte. Mais qui est-ce qui l'a donc fermée? Bichette, veux-tu faire le tour, la clé de l'autre côté? Oui, maman. Et cette porte donne sur le couloir de service. Mais votre femme de chambre aura encore plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. La femme de chambre? Quelle femme de chambre? Hé, mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Ah, non, pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh, pardon. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Oui, on donnera la femme de chambre. Voilà, c'est ouvert. Et maintenant, mademoiselle, si vous voulez bien venir jusqu'au salon, voir si tout est à votre convenance, l'emplacement du piano, de l'estrade... Oh, ça regarde mon régisseur. De Chenevière, à toi, mon ami. J'y vais. Si madame veut m'indiquer... Nous vous accompagnons. Vous venez, Fontanelle. Ah, je suis à vos ordres. Quant à moi, aidée de ma sœur, ici, je veux faire ma petite installation. C'est cela. Viens, Viviane. Mais qu'est-on devenu ton fiancé? Oh, je ne sais pas, maman. Il prend l'air, sans doute. C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Oh, ben, c'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Ah, non, mais tu aimes ça, moi, quand on peut m'énerver. Oh, allons. Au lieu de grogner, sors donc ces costumes de qui se froissent dans ce carton et pends-les dans l'armoire. Ah, bon. Oh, toi, tu seras cause que je ferai un coup de tête un jour. Ah, bon, que feras-tu, mon Dieu? Eh ben, je prendrai un amant. Toi? Oh, mais tu ne me connais pas. Oh, oh là là, là là. Elle, un amant. Fais-toi attention à la façon dont tu tiens ces effets. Pristine, non, tu n'es pas femme de chambre. Parce que si tu étais femme de chambre, tu ne resterais pas longtemps au service des gens. Hein. Oui, mais c'est surtout au tien que je resterai pas. Qu'est-ce qu'elle a, cet amant? On peut pas l'ouvrir. Elle est peut-être fermée, tourne la clé. Oui, eh ben c'est ce que je fais, mais il n'y a pas moyen. Comment pas moyen? Oh là là, on n'est même pas capable d'ouvrir une armoire. Allons, pour toi de là. Alors, c'est vrai que c'est dur. Je suis pas fâchée. C'est drôle, on dirait que la résistance vient de l'intérieur. Essayons toutes les deux. Et bien ensemble. Allez. Tu tires? Ah ben oui, je tire. Allez, un. Deux. Trois. Tu vois, je vous attendais. Dans l'armoire? Ah oui, dans l'armoire. Tu sais, parfois dans la nuit, il faut savoir s'isoler. Ça va bien depuis tantôt? Non, parce que c'est stupide de nous faire des frayeurs pareilles. Il faut être idiot pour remettre ça comme ça. Alors ça a marché. Ah, vous avez eu peur, hein? C'était une plaisanterie. Ah bah, tu appelles ça une plaisanterie? Mais oui, je le suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire, elle me trouve dedans. C'est ça qui est une bonne farce. Ah bah, elle est jolie, la farce. Elle est stupide. Merci. Pourvu que les autres n'arrivent pas maintenant. Tout est prêt, là. Ah, vous attendez bien, Geneviève? Ah ça, comment vous êtes ici, mais vous? Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Ah, et tu sais pas où je l'ai trouvé? Dans l'armoire. Comment, dans l'armoire? C'est amusant, n'est-ce pas, hein? Ah ça, il est fou. J'emporte ça par là. Mon bonbon. Par la porte de la femme de chambre. Et au fait, tu connais le verger, toi? Oh oui, oui, oh, oui, depuis toujours. J'ai vu la mère toute petite. Hein? Ah, la mère m'a vu tout petit, alors. Ah, c'est drôle. Eh ben oui, c'est drôle, hein. Ah, c'est très drôle, n'est-ce pas?
pas me faire le plaisir de ne pas te chanter dans cette maison. Ah, ah, mais pourquoi ça? Mais elle demande pourquoi. Mais... parce que... parce que... il y a des commandes. Où ça? Partout. Au-dessus de l'estrade. Au-dessus de l'estrade, il y a des courants d'air. Oh, faut que j'en parle à la baronne. Ah ben oui, c'est ça. Oui, oui, ça fera des concours, il faudrait que c'est moi qui t'en ai parlé. Non, mais je ne prononcerai pas ton nom, enfin. Ah, la voici. Il faut que j'en ai le cœur net. Ma belle-mère, je file. Eh, mais où vas-tu, toi? Mais tu ne m'as pas vu. Oh, ça est-il drôle? C'est égal, je serais curieux de connaître le fameux de tout ça. Mais où donc est passé mon genre? Madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, madame, on me l'a dit. Et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur mes épaules. Mais madame, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon? Mais c'est insensé, voyons, monsieur. Dans mon salon, madame. Mais venez voir par vous-même si grave. Ah, mais pardon, madame. Allons-y. Mais venez, monsieur. J'en prie. Moi, chantez dans mon salon avant que vous non. Alors, non, c'est impossible. Oh, parbleu, il n'y a pas de commandeur, il n'y en a pas. Vous êtes seul. Ah, ouf. Vous arrivez par là, vous? Ah, oui, parce que j'étais passé par là et après j'ai fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a, il y a que j'ai une maison de 5 étages suspendue au-dessus de ma tête, que Lucette est ici et que c'est mon contrat qu'on signe tout à l'heure. Non! Si! Oh non, d'un pétard! Ah oui, non, d'un pétard! Et c'est justement ce pétard qu'il faut à tout prix que vous m'évitiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette. Oui! Ou de force! Oui, mais comment? Mais comment? Mais je ne sais pas, mais il le faut! Mais j'essayerai! Où est-elle maintenant? Où est-elle? Avec la baronne, dans le salon, en train de s'expliquer sur votre vent coulis. Mon Dieu, ça va éclater, c'est évident! Attention, elle revient! C'est vous! Eh bien, où étiez-vous? Voilà une demi-heure que je vous cherche! Moi aussi! Eh bien, cherchons ensemble! Cherchons ensemble! Cherchons quoi? Puisque nous nous sommes trouvés! C'est vrai! Je sais plus ce que je dis, moi! Mais est-il bête? Il bafouille, le pauvre garçon! Il bafouille! Vous voyez, madame, que j'avais raison! Moi, d'anguin! Enfin, vous! Voilà! Tiens, je venais! Mademoiselle! Oh là là! Oh là là! Voulez-vous me permettre de vous présenter? Oh non, 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 ce n'est pas la peine! Elle connaît! Ah, viens avec moi! Mais où? Cherchez le vent coulis! Je sais où il est! Je sais où il est! Oh mon cœur, moi je l'embrasserai! Moi je l'embrasserai! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Pourquoi? Parce que vous allez commettre un affaire énorme! Un affaire? Moi? Mais comment ça? Vous alliez me présenter monsieur de Bois d'Anguin, mon gendre, le futur, le fiancé ou quelque chose comme ça? Mais naturellement! Eh bien c'est justement ce qu'il ne faut pas! C'est ce monsieur qui m'a prévenu, c'est pour ça qu'il l'a entraîné. Il ne faut jamais prononcer les mots de fiancé, de futur ou de gendre devant Lucette Gauthier. Parce que? Eh bien, parce qu'il paraît, c'est ce monsieur qui m'a prévenu, il paraît qu'elle a connu autrefois un amour malheureux. Vraiment? Et un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature faible et un beau jour, il a succombé. Oh mon Dieu! À quoi? À une vieille dame très riche qui l'a emmenée en Amérique. Alors flambez le mariage, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer devant elle les mots de futur, de fiancé ou de gendre. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Aussitôt, crise de nerfs, pâmoison, évanouissement. Oh, mais c'est affreux. Vous avez bien fait de m'avertir. Un roman d'amour, ça c'est gentil. Oui, mais sans moi, et ce monsieur qui m'a prévenu. Ah, je suis bien contente de savoir ça. Ah oui. Venez avec moi, venez. Comment? Mais pourquoi? J'ai encore quelque chose à vous dire, à vous montrer. Oh. C'est là-haut, venez. Vite, allez. C'est pas vrai, tiens, tu es stupide. Il est en péton, moi, il me fait jouer le rôle de crétin. Non. Dis donc, je ne vous gêne pas par ici. Hein? Oh, mais non. Non, parce que je me rase par là. Non, c'est vrai, tout le monde a filé, et on est là tout seul comme un pauvre pestiféré. Oh, pauvre fondanet. C'est vrai, je suis à plein. Le général Iriquois. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, lui! Comment? On a invité le Rastaquois? Hey, c'est moi! Et arrivé dans le général! Oh! Que je suis à la table! Non! Que je suis pardonné pour le temps que j'ai perdu si je n'ai pu le passer près de vous! Oh, mais non, mais non, vous n'êtes pas en retard! Bonjour, général! Buenos días! Permettez que je vous offre. Oh, un bouquet de fleurs des champs, comme c'est original. Apollo, il y en a passé des fleurs des champs à l'étoile.
C'est vrai pour un pot rouge. Mais si le bouquet, il est modique, la ficelle, il est bien. Oh, oh, collier de fer. Oh non, vraiment, général. Oh, rien du tout, rien du tout, c'est tout pas gâté. Vous permettez? Oh, oh, il est superbe, Matin. Oh, comme je suis contente, si vous saviez comme je suis contente. Oh, c'est d'un goût. Je trouve ça d'un goût pas mal, c'est encore mieux que le mot, vous savez. Général, monsieur de Fontanet. Bien compris. Ah, enchanté, général, et toutes mes félicitations. C'est façon dont avec grand seigneur de faire des choses. Oh, bien compris. Oh, oh, c'est beau, d'être à la fois un calme et une lumière. Que tu n'attends pas de l'air. Ton papillon est élu à l'angle de ton pas ou du nez. Si. Ma, prenez donc un pastille. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Des pastilles que je les prends quand il a fumé un cigare. Ah, alors, inutile général. Je ne fume pas. Non. Mais prenez quand même, parce que vous êtes agréable. Je vous rends grâce. Non. Pardon. On n'a pas l'idée de ce garçon qui nous fait monter trois étages pour nous dire dans le grenier, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas de paratonnerre sur la maison. Oh. Madame. Ah, madame, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le général Irigoyen. Moi-même. Qui a été ravi de profiter d'un de vos cartons d'invitation. Yolé la contre-main. Oh, c'est inutile. Vous savez, général, c'est une soirée toute de famille. Bueno, il m'a décalé bien pour me passer. Ah, alors? Eh bien, au moins, nous ne l'aurons pas dit. Eh bien, mais venez donc. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais rien. Allons voir le général. Tiens, bon égay. Et que vous allez nous chanter quelque chose? Non. Bueno, pues que c'est bien. Non. Comment vous chantez, vous? Ah, oh, vous savez, mais peu, très peu. Oh, je ne savais pas. Tiens, nous prenons de la musique. Allons, bon, ça va bien, ça va très bien. Maître Nanté. Ah, le notaire. Bonjour, oh, maître Nanté. Madame la baronne, messieurs, dames. Puisque vous voilà, nous allons pouvoir commencer de suite. Vous avez le contrat? Non, mais un demi-clair la porte. Oh. Justement, le voici. Parfait. Sapristi, Bouzin ici. Dis-donc. Bouzin, là. Hein? Bouzin? Oh, si le général l'aperçoit. Mes amis, si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat. Ah, mais parfaitement. Monsieur de Chenviette. Très honoré, madame. Vous permettez, général? Oui, vous plaît, chef. Oh, mais c'est monsieur que j'ai vu ce matin. Oh, madame la baronne, petit, attendez, on a repris de connaissance, alors. Mon Dieu, oui. Vous ne voulez pas assister, madame? Hein? Oh, je vais terminer mes petits préparatifs ici. Comme vous voudrez, madame. Ouf. Et vous, général? Je vous rends grâce. Je laisse avec maman Zagotier. Naturellement. Venez, voilà, bien. Voilà, voilà. Tu ne vas pas y aller, toi? Ah, tu crois que... Ah non, qu'est-ce que ça te fait, leur contrat? Oh! Ça t'intéresse? Waouh, oh là là, oh là là! Mais est-ce que je l'y vais, moi? Pour que je sais, parce qu'elle a... Oh, tenez-vous, parbleu! Cependant, il me paraît bien difficile de ne pas assister à mon contrat. Si tu y tiens absolument, tu iras un peu à la fin. Ah oui? Avec moi. Ah, ce serait le bouquet. Voilà. Les autres à présent, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont après toi? Je ne sais pas, je me le demande. Mais enfin, quoi ton gars, qu'est-ce que vous faites? Monsieur vous attend pour lire le contrat. Bouzin! Le général est ici! Encore Bouzin! Attends, Bouzin! Oh, mais ne craignez rien, madame Courreuil de Chenviette, rattrapez-les! J'y vole! Mais voilà une affaire! Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a après ce garçon? Mais il faut l'excuser, madame, c'est un horrible malentendu, C'est l'homme de Fouzard! Allons, finissons-en. Boisdanguin, donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi monsieur de Boisdanguin d'abord? Comment, pourquoi? Parce que c'est son fiancé. Son fiancé. Hein? Oh, hein? Vous avez bien voilà, vous avez prononcé le mot de fiancé.
fiancée, voilà. Moi? Mais oui, toi. Et on vous prévient. Puisqu'on t'avait l'air de ne pas te fiancer. Oui, et un autre que moi, toi, de cette cousine. Oh, mais quelle soirée, mon vieux, quelle soirée. Qu'est-ce qu'elle a, Lucette? Il est malade, Lucette. Du vinaigre, des sels. Ah, j'y prends, c'est à côté. Lève-les à moi, lève-les à moi. Ah, il bouge. Mais il faudrait lui faire respirer de l'air pur. Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est la clé de mon appartement, le Seine Pendue. Mais, on va voir si ça fait nous-mêmes. Allons, allons par là, nous. Voilà, voilà. Je signe et je reviens. Vite, allons. Du vinaigre, quelque chose. Ou de liquide. Oui, attendez, attendez. Oh, mais quelle aventure. Lève-les à moi, vous vous écoutiez. Lève-les à moi, maman. Mais voilà de l'eau. Gracias. Lève-les à moi, Gauthier. Gauthier, lève-les à moi. Mariage ou pas donc hein. Allons bon. Tout est normal qu'il fait son mariage. Mais tiens, mais Fréton, c'est son amant. Ah. Oh là, l'autre crétin. Qu'est-ce qu'on dit? On dirait son amant. Mais tiens, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez? Il est son amant, pour le dégueu. Il est son amant. Je l'aurais dit mieux. Alors c'est vous qui êtes l'amant de ma dans un quartier. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui êtes l'amant. Oups, j'ai fait une gaffe. Vous n'avez pas fini de me lâcher. Oh non, monsieur, voyons. Bon dégueu. Vous n'êtes qu'un rastaquer. Pourquoi? Parce qu'il l'aime et il supporte pas qu'il ait toute baguette de Vénus. Eh bien, vous voyez bien que je me marie. Qu'est-ce que je demande, moi? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette. Oui. Mais vous n'aimez plus Lucette? Mais puisque je me marie, voyons. Oh, pas de guerre. Voilà tout la mythe. Elle vous ouvre les yeux. Laissez-moi seul avec elle. Je vais tenter un dernier matou. Oui, vous laisse, Gauthier, reviens à Louis, reviens à Louis. Je viens. Général. Plus vite, plus vite. Ah, vous laissez. C'est vous, c'est vous, c'est vous, vous. Allez. Lucette. Qu'ai-je eu? Lucette. Ah, c'est toi. Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon. Non, ne me parle pas, tu me fais horreur. Lulu, ma Lulu. Ah si, c'est vrai. Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien. Eh bien oui, là, c'était le mien. Ah, c'était le sien. Il l'a vous. Misérable. Lucette. Oh, je t'adore.
toi. Tu sais ce que je me disais? Tu sais pas ce que je me disais? Je me disais, c'est fini nos amours d'autrefois. Nos amours? Oh là 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 là! Oh, vois-tu ce bouquet de fleurs des champs? Il ne te rappelle rien. Si, il me rappelle la campagne. Ah oui, le temps où nous allions comme deux amoureux nous ébattre dans les blés. C'est ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie, les te souviens-tu? Te souviens-tu? Ah, qu'est-ce que je disais? Et nous roulions dans l'herbe. Et moi, je prenais un bel épi comme ça. Et je te le mettais dans le cou. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Et alors, il descendait. C'est stupide, je ne peux plus le rattraper. Ah, en vrai, il te gêne. Madame, oui. Enlève-le. Enlève-le, il est sous mon gilet de flamme. Ah, ben, déshabille-toi. Vous êtes habillé ici, alors que c'est à ma soirée de contrat qu'on signe à côté. Oh, mais qu'est-ce que tu risques? Nous fermons tout. Si on peut trouver ça tout naturel, puisqu'on sait que j'ai à m'habiller, on croira que tu es parti. Oh, mais non, mais non. Oh, tu vois, tu ne m'aimes plus. Mais si, non, mais si. Si tu m'aimais, tu ne rechignerais pas à te déshabiller devant moi. Mon Dieu, c'est affreux ce que ça pique. Oh, tu es bête. Va donc derrière ce paravent et enlève-le ton épi. Après tout, je n'y tiens plus, tu es sûr que c'est bien fermé? Mais oui, oui, cette fois, je te tiens. Et pendant ce temps, moi, je vais m'habiller pour les choses que j'ai à chanter. Ah, c'est égal, c'est raide ce que tu me fais faire. Mais quoi, quoi? C'est, tu as un épi dans le dos, c'est bien normal que tu le cherches, n'est-ce pas? C'est une façon d'arranger les choses. Ah, je le tiens, coquin. Viens, donne-le-moi. Mais pourquoi? Parce qu'il était sur ton cœur pour le garder. Mais non, je l'avais dans les reins. Mais ça fait rien, donne-le-moi quand même. Bah, prends-le. Oh, tu es beau. Je t'assure, si on rentrait, c'est bien fermé. Mais pousse bien. Oh, là, qu'est-ce qui s'est fermé? De te voir là, tout près de moi, tout contre moi, un gilet de flamme. Oh, voyons. Ah, non. Je pense que tout ça va m'être enlevé. Non, je ne peux pas. Oh, Fernand, je t'aime. Tais-toi donc, tu vas faire venir. Oh, ça m'est égal qu'on vienne. Je t'aime. Allons pour le téléphone à présent. Être encore rentré à 10h du matin, c'était pas tant. Moi, je ne pose pas pour la morale. Mais quand on est fiancé, on doit rentrer coucher chez soi. Ou alors, on fait ce que je faisais, on couche avec sa future femme. Ah, qui est-ce qui sonne? Ce n'est pas monsieur, il a sa clé. Ah bien, si tu crois que je vais faire le tour pour aller t'ouvrir, quoi, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Excusez-moi, le mariage Brugnot. Oh, c'est au-dessus du mariage Brugnot, au troisième. Le concierge m'a dit au deuxième. Eh bien oui, au-dessus de notre sol. Je vous demande pardon, hein. Non. C'est un semant. C'est le sixième depuis ce matin pour le mariage Brugnot. Si ça continue, je mettrai un écriteau, la mariée est au-dessus. En voilà une nuit! Allons bon, encore un pour le mariage!
dit, c'est au-dessus. Hein? Monsieur? Comment c'est monsieur? Vous voyez bien que c'est moi. Oh, monsieur, 10h du matin, un lendemain, vous aurez le contrat. Est-ce que c'est une heure pour rentrer? Oh, fichez-moi la paix. Oui, monsieur. Non, je vous conseille de parler, vous, à cause de qui j'ai dû passer ma nuit à l'hôtel. À l'hôtel? Oui. À cause de moi? Absolument. Si vous aviez été là quand je suis rentré cette nuit, mais non, j'ai eu vous sonner, carillonner. Mais monsieur n'avait donc pas sa clé? Si, si, je l'avais bien emporté. Seulement, je l'ai oublié dans le dos de quelqu'un. Ah, si monsieur laisse sa clé n'importe où. Oui, mais... c'est ma faute. Et puis d'abord, pourquoi n'étiez-vous pas là? Où étiez-vous? Oh, monsieur le demande. Mais chez ma femme, chez madame Jean, c'était mon jour. Monsieur sait bien qu'il m'a autorisé une fois par semaine à honorer madame Jean. Mais bien, vous êtes embêtant avec madame Jean. Embêtant pour monsieur. C'est vraiment pour moi. Ah oui, parce que pour madame Jean. Oui, mais qu'est-ce que ça fait madame Jean? Je ne m'occupe que de moi dans cette affaire-là. Je le vois, monsieur. Et puis, je vous demande un peu... de si attrayant, madame Jean. Monsieur me dispensera de lui donner des détails. Je dirai seulement à monsieur que je n'ai pas encore de petits gens, et comme ce n'est pas monsieur qui m'en donnera, ni personne... Oui, 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 bon, et tenez, au lieu de tenir des propos inutiles, et pendant que j'y pense à cette clé, vous allez me faire le plaisir d'aller tout de suite... La réclamer... Mais non, mais non, attendez, non, non, je l'allais souhaiter, mais j'allais chercher un serrurier pour qu'il mette une nouvelle serrure à laquelle mes anciennes clés ne pourront pas aller. Ah, bon, ben oui, monsieur. Non, passez par là, ce sera plus vite fait. Bien, monsieur. Monsieur a là tout ce qu'il faut pour se changer. Bien, vite, vite. Oui. Ah, je m'en souviendrai de la nuit du 16 avril 1893. Elle peut être fière de son ouvrage, Lucette. Un scandale épouvantable. Moi, expulsé de la maison. Mon mariage fichu. Ah, elle peut être fière. Oh, mais si elle croit qu'elle l'emportera au paradis, et par-dessus le marché, cette nuit dans cet hôtel, en costume, sans linge, sans rien de ce qu'il faut pour sa toilette, j'ai dû coucher avec ma chemise de jour. Ah, je m'en souviendrai. Mais non, mon ami, ça va être là. Tu crois? Mais oui, tu peux la porter dans ton panier, comme ça se fait les jours de cérémonie. Ah, si tu veux. Bon, c'est drôle. Tu crois que c'est là? Mais oui, c'est là. Quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Un homme déshabillé! Mais qu'est-ce que vous voulez? Le mariage Brugnon, ça n'est pas ici. Mais vous voyez bien que ça n'est pas ici, c'est au-dessus. Voilà des façons d'entrer quand je fais ma toilette. Oh, si, monsieur, on ferme sa porte quand on est dans cette tenue. C'est ça, attrapez mon corps, je ne vous ai pas prié d'entrer, c'est pas entrée libre ici. Allez-vous-en, voyons. Allez-vous-en, allez, oh, oh! Oh, quel caractère! Oh, mais quel buton! Elle est bonne, celle-là, encore! Ah ben, tu vois, je savais bien que c'était au-dessus. Qu'est-ce que tu veux, m'amour? On peut se tromper. Il ne reste plus qu'à faire le métier de concierge ici. Aussi, c'est la faute à cet imbécile de Jean qui ne ferme pas sa porte en s'en allant. Vois donc bien, au deuxième, c'est ici. Allons bon, on sonne. Et Jean qui n'est pas là. Qu'est-ce qui peut bien venir à cette heure-ci? Tant pis, on attendra. Ah ça, y a donc personne? Encore? Mais je ne peux pourtant pas ouvrir dans ce costume. Eh bien, voyons. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Boisdanguin, c'est moi! Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas visible! Ce ne sera pas long, monsieur, c'est Maître Lantéry qui m'envoie. Mais non, voyons, je m'habille! Oh, moi, monsieur, ça n'a pas d'importance. Après tout, comme vous voudrez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà. C'est Maître Lantéry qui m'a chargé de vous remettre cet exemplaire de votre contrat. De mon contrat? Ah bien, il tombe bien, il est joli mon contrat, vous pouvez le déchirer mon contrat. Comment? Et d'où arrivez-vous? Vous n'êtes pas au courant qu'il est rompu mon mariage? Tenez, oh, regardez ce que j'en fais de votre contrat! Oh! 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 Eh bien. C'est moi qui étais chargé de vous remettre la note des frais et honoraires. Oh, 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 la note des frais, oh, la note des honoraires, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Tout est rompu, il faudra encore que ça me coûte de l'argent. Oh, non. C'est pas en or. Oui, qu'est-ce qui vient là encore? Pardon, mais... tout à l'heure, cousin, voulez-vous prendre un service? Je n'ai personne pour ouvrir. Voulez-vous y aller? Volontiers. Non, passez par là. Vous prenez le couloir et puis à gauche.
Vous m'excuserez, vous direz que je ne perçois pas, hein? Parfait. Qu'est-ce qu'on a donc à sonner comme ça ce matin? Carré, mais bien assez à l'espérato dans la ville. Oh oh, on s'impatiente. Et bien, vous vous êtes trompés.
Ah, vous m'aimez? Eh bien, je m'en fiche que vous m'aimiez. J'en ai par-dessus la tête de votre amour et la preuve. Tenez, regardez, la porte est ouverte, vous pouvez la prendre. Tu me chasses, moi, moi. Oh, et pas d'histoire, hein. Allez-vous-en, que ce soit fini. Allez-vous-en. Ah, c'est ainsi. C'est très bien. Tu n'auras pas besoin de me le dire deux fois. Mais prends garde. Si tu me laisses franchir le seuil de cette porte... Marchez conclu. Tu ne me reverras jamais. Non. Et allez, réfléchis bien, hein. Oh. Si tu me laisses franchir. Oh, le fil à la patte. Oh. Très bien. Tu sais, Fernand. 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 Que t'en veux-tu mourir? Fernand. Non. Non. Non, réfléchis bien ce que tu veux, tu sais, c'est pour toujours. Oh, oh oui, pour toujours. Oh oui, pour toujours. Oh, grand. Sans cœur. Oh. Et tiens. Tu oublies ton peignoir. Oh. Et t'es nul. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh ben, ce sera à cause de toi. Tu sais, mon pistolet. Hein? Eh ben, je vais me tuer. Te tuer? Te tuer? Veux-tu me donner ça? Jamais de la vie. Veux-tu me donner ça? Ce pistolet, je le trouverai donc toujours entre nous. Mais tu me laisses? Allons, allons, donne-moi ça, donne-moi ça, non. Non. Si, hein? Ah. Un éventail. Tu sais. Voilà avec quoi elle se tue. Un accessoire de théâtre. Mais tu sais, Fernand, tu sais. Elle se tue avec ça. Va donc, Cabotine. Tu ne me reverras jamais. Oui, c'est ça. Va donc et tiens. Tiens, tu oublies ton peignoir. Et tu oublies tes mules. Oh. Et dire que j'étais assez bête pour donner dans ces suicides. Avec un éventail. Enfin, j'aurai la paix au moins maintenant. Ma porte! Ma porte qui se ferme! Ouvrez! Ouvrez! Oh mon Dieu! Mon Dieu, ma pied qui est sur la toilette et les gens qui sont sortis. Oh, je ne peux pourtant pas rester sur le palier dans cette tenue. Que faire, mon Dieu? Que faire? Concierge! Concierge! C'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi? Mais non! Il n'est pas là la chose.
Et elle serait valide au cahier ou pas. Oui, ben plus tard, j'ai autre chose à faire que de causer. Ma porqué. Oh, porqué, il est étonnant que c'est porqué, puisque je vous dis que ma porte s'est fermée sur mon dos. Ouais, non, c'est donc pas gâté, on peut causer sur le palier. Mais sacristi, voyons. Oh, quelqu'un. Eh bien, où il va? Où il va? Pour le guet, pour le guet. Oui, tout à l'heure, tout à l'heure, hein. Il est folle. Bonne séance. Bonne séance, comment ça? Vous bien, vous bien. Bonjour, la madame. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour le guet. Je ne peux pourtant pas rester comme ça, quand il y a des gens qui montent. Cette porte, oh, cette porte. Vous n'avez pas un passe-partout sur vous, n'importe quoi, un rossignol. Un oiseau. Un oiseau. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Que y'en est, que vous avez des ciels, y'en a devant nous, que y'en a tout. Encore? Ah, zut. Pour le gars, je suis à vos ordres. Oui. Eh bien, allez donc chercher un pantalon. Non, un pantalon, moi. Il vous plaît, vous faites pas le sceptique. Quoi? J'en dis que vous ne faites pas le sceptique. Ah, le sceptique. Le sceptique, ça veut rien dire. Le sceptique, parlez donc français un petit peu au moins. Et c'est, ça fait, c'est, ça n'est pas ske. On dit le sceptique, pas le sceptique, hein. Ouais, non, ouais. Mais t'es gars, sceptique, sceptique, bon. C'est nous-mêmes. Finissons-en, vous voulez me tuer? Non. Comment non? Il était venu pour, mais maintenant, il est votre place. Tant mieux. Non, pourquoi? Il vient de voir où cette côté qui est en bas. Oh. Il m'a dit cette chose. Qu'il m'embête. Caramba, caramba. Ah, il n'a plus dit. Je ne puisse faire autrement que de l'écouter. Il m'a dit, je ne serai la vôtre que si pas de guerre peut être encore la mienne. Hein? Voilà, il m'a dit, vous savez, hein? Surtout qu'il passe à la sandale d'hier. La sandale, qu'est-ce que c'est la sandale? La sandale, vous l'avez faite, mais celle des rouges, voilà, vous pêchez. Ah, le scandale, vous voulez dire? D'abord, vous dites la sandale. Oh! SCA, ça fait ska, c'est pas ça! Bonne guerre! Est-ce que tu t'as faute de moi? Tout à l'heure, ils ont dit sceptique ou des sceptiques. Voilà, voilà, voilà! Là, ils ont dit sandale ou des scandales? Général! Regarde! Et à quoi donc? Bueno, ils ont dit maintenant, vous allez raccommoder vers Lucette. Moi? Jamais de la vie! Non! Alors, il y a rien de tout! Eh bien, re-me, tuez-moi! Mais sacrifiez vos descendants, cependant, tout à l'heure, c'est parce que j'étais avec Lucette. Maintenant, c'est parce que je ne suis plus avec! Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Cayolet, cayolet! Non mais, on doit être quoi. Il veut que Lucette elle sorte à moi! Mais oui, à toi, mais pas à moi! Eh bien, oh, il y a un moyen de tout trouver! Ça va? Bon, protégez-vous les tout d'amis! Tu peux aller dire, ça est égal si je te tue. Je vous prie, je vous prie! Vous allez aller dire à Lucette que vous m'avez vu et que je refuse tout rapprochement. Pourquoi? À cause de son vice de constitution, hein? Un vice de constitution qui n'est appréciable que dans la plus stricte intimité. Oh! 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 Il a un vice à la constitution, Lucette! Hein, mais pas du tout! Mais non? Mais justement, elle est femme, elle a encore plus d'amour propre que d'amour. Quand vous lui aurez dit, je la connais, la vanité, elle est à vous. Oh, il a compris! Balayé! Fernand! Gracias! Oh, gracias! Oh, mon chien! Gracias! Oh, il arrive! Il arrive! Adios, Fernand! Adios, Balayé! Adios, tout le monde! Eh, bonne santé! Et puis, tu sais quoi? Il y a tout plus! Ah, mais oui, oui! Mais c'est ça! Un niveau de plus, hein! Non, je m'en plus. Oui. Ma foi, je ne vais pas coucher là. En voilà un raseur avec son oxydomanie. Non, mais je que diable vous emporte. C'est moi qui vous crie encore de faire mes bras. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a été plus vite que ma volonté. C'est agréable. Me voilà encore à la porte de chez moi. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue sur le palier? Que j'y fais? Mais si vous croyez que c'est pour mon plaisir. Oh, c'est amusant. Ah, vous trouvez, vous? Mais parbleu, c'est pas étonnant, vous vous êtes habillé, vous. Oh.
Oh, la bonne idée. Bouzin. Monsieur Boisdanguin. Bouzin, vous allez me rendre un grand service. Moi, monsieur Boisdanguin. Donnez-moi votre pantalon. Hein? Oh, oh, vous êtes fou. Oui, je suis fou, vous l'avez dit. Je suis fou. Donnez-moi votre pantalon. Oh mon Dieu, mais je suis pas dans rien, je vous en supplie. Allez, votre oh, pantalon, vite, vite, oh, ou je fais feu. Grâce, monsieur Boisdanguin, grâce. Oh, 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 oui, oui, monsieur Boisdanguin, oui. Oh, 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 mon Dieu, quelle situation. Moi, en caleçon, dans l'escalier d'une maison étrangère. Oh. Allez, 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 mon Bouzin. Oh. 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 Voilà, 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 monsieur Boisdanguin. Merci. Votre veste à présent. Hein? Votre veste. Monsieur, qu'est-ce qui me restera? Il vous restera votre gilet. Votre veste, vite, 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 vite. Oh, oui, monsieur Boisdanguin. Oh. Voilà, voilà. Merci. Oh. Oh. Pourquoi ai-je mis les pieds ici? Oh. Oh. Le revolver. À nous deux, maintenant, mon jadard. Monsieur Boisdanguin. Mon ami. Mon pantalon. Vous allez me rendre mon pantalon ou je vous tue. Oui, mon vieux, oui, 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 oui. Oh, vous savez, je ne ris pas. Allez-y. Mon pantalon, oui. Je tire. Oui, oui, oui. Je tire. Hein? Hein? C'est pas comme ça. Tenez. C'est comme ça. Vous ne savez pas vous y prendre, mon ami. Je suis joué. Ce pauvre Bouzin. Venez, monsieur, venez. Allô, maman. Par ici. Voilà du monde. C'est égal, ça fait du bien d'être habillé, même si c'est dans les vêtements d'autrui. Venez, monsieur, oh, venez par ici. Le concierge, avec un agent. Que cherchez-vous? Un homme en caleçon dans l'escalier. Un homme en caleçon? Ce pauvre Bouzin. Je n'ai pas vu, messieurs, je n'ai pas vu. Ah, si, si, c'est la note Brugnon qui a déposé plainte. C'est pour ça qu'il est allé chercher un agent. Venez, monsieur, il doit être en haut et il ne pourra toujours pas aller plus haut que le cinquième étage, car il n'y a que cinq étages dans la maison. Ce pauvre Bouzin n'a vraiment pas de chance. That's way, miss. All right. Viviane, fou. Oui, moi, moi qui viens vous dire, je vous aime. Mais comment est-ce possible quoi après ce qu'il s'est passé? Qu'importe ce qui s'est passé, je n'ai vu qu'une chose, c'est que vous étiez bien tel que j'avais rêvé mon mari. Oui? Oh, ce que c'est que de se montrer en gilet de flanelle. I beg your pardon, où est-ce? Ah oui, yes, yes, mon institutrice, Miss Bettig, Mr. Kaboul. Oh, yes, I know, Mr. Kaboul, Paul and Virginie. Qu'est-ce que vous dites, M. Kaboul? Mais oui, vous pensez bien que si j'avais dit à Miss que je voulais aller chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite. Alors, j'ai dit que nous allions chez mon professeur de chant. Non, mais va bien voir. Mais non, elle ne comprend pas le français. Oh, ces petites filles. Ah, dites, vous avez donc eu beaucoup de femmes qui vous ont aimé. Oh, mais... Oh, dites-moi aussi, je ne vous en aimerais que mieux. Ah, et bien... des masses. Oui. Et il y en a peut-être qui ont voulu se tuer pour vous. 15. Tenez, pas plus tard que tout à l'heure, voilà un pistolet que j'ai arraché à l'une d'elles. Oh, un pistolet! Et je n'aimerais pas un homme tant aimé. Ah, Viviane! Mais tu dis pas de geste, pas de geste!
Ah non, impossible, ma porte s'est fermée, on est allé chercher ma clé. Cependant, pour ma leçon de chant... Eh bien, dites-lui qu'il est d'usage chez les grands artistes de donner leur leçon de chant dans les escaliers. Il y a plus d'espace. Mr. Capul always gives his singing lessons on the stairs. No. Si. Ah, it is curious. Sit down, miss. All là. Right, thank you. Et maintenant, maman peut arriver. Mais maman, qu'est-ce qu'elle dira? Oh, tu ne s'agit plus de parler maintenant. Hein? Nous sommes à ma leçon de chant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi, en chantant. Ah, vous voulez que... Mesdames, sans ça, ça va éveiller les soupçons de miss. Tenez, prenez ça. Et maintenant, vous disiez... Je disais, votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Ah, en chantant, en chantant. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Quand elle saura, elle voudra pas. Maman, j'y ai laissé un mot où je lui dis si tu veux me voir, tu me trouveras chez Monsieur Bois d'Anguien. Tu me trouveras chez Monsieur Bois d'Anguien. Ah 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 ah. Elle qui m'a flanqué à la porte. Hier au soir. Oh, very nice. N'est-ce pas? Yes, I kind of recognize Mireille. Mireille! Oui, mais tout ça, c'est très gentil. Mais en chantant, en chantant. Oui, mais... Ah. Et votre maman, dans sa colère, si elle m'envoie promener, après tout ça... Allons donc, est-ce que c'est possible? Maman criera, ah 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 ah. Mais comme je me suis compromise, elle cédera... Oui! Oui! Gais et content, nous marchons triomphants. Et nous savons qui m'en lutte. Madame, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur. Malheureuse. Qu'est-ce qui t'épousera après ce scandale? Mais lui, maman, je l'aime et je veux l'épouser. Lui? Le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Mais je ne suis plus le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Vraiment, monsieur, après ce qui s'est passé hier au soir. Eh bien, ce que vous avez pris pour toute autre chose, c'était une scène de rupture. Oh. Parfaitement. J'étais en train de dire à mademoiselle Gauthier, je ne veux rien qui puisse me rappeler à vous. Rien, pas même ces vêtements que vous avez touchés. Et joignant l'acte à la parole, je les enlevais à mesure. 2 minutes plus tard, et je retirais mon gilet de flanelle. Ah, tu vois, maman, que tu peux bien me le donner pour mari. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Si tu crois que ton bonheur est là. Oh, maman! Oh, madame! Ah, miss! Je l'épouse! I will marry him! Mr. Capul! Oh, surprising. Okay, mais où est donc monsieur? Enfin, c'est vous! Oh, tenez, entrez, belle maman. Entrez, mais viens, entrez, miss. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, enfin, oh, maintenant! Nous avons dû faire un cousin! Le clair en garçon! Quel scandale! Alors, après, venez! Ah, mais que tu as d'enquête! Je vous en prie! Mais qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous vous cacher? Allons! C'est un peu pendable ce que je fais là, mais basta!